Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Même si j'ai une coupe de cheveux en mode araignée, en mode arachnide. C'est du grand n'importe quoi. J'ai des petites pattes d'araignée. Là, il faut que j'aille chez le coiffeur pour redevenir l'homme le plus beau. Même si, en étant la pire version de moi, je suis quand même un beau gosse. Mais bon, bref, on va pas tout le temps légiférer là-dessus. Commencer à émettre des jugements sur ma beauté absolument exceptionnelle, on va plutôt parler de ce qui est en train de se jouer pour le FC Barcelone. Vous vous rendez compte? Le FC Barcelone risque littéralement de se faire virer du football. Ça, si ça, c'est pas une dinguerie absolument monumentale, puisque ils ont été attrapés la main dans le sac dans des histoires de corruption. Voilà, donc là, on peut officiellement dire que la remontada est une victoire volée, voilà, organisée, avec quelques petits arbitres qui ont mis des petits billets dans leur poche. Et voilà, maintenant que toutes les preuves sont assemblées, nous avons l'impression que le FC Barcelone a les chocottes. Le FC Barcelone a commencé à avoir les chocottes à partir du moment où le procès a commencé. Bande de voleurs, arnaqueurs, tricheurs. Barcelone, vous n'avez pas honte? Un grand club historique comme ça, vous vous retrouvez dans des histoires comme si vous étiez en Italie, comme si vous étiez la Juventus ou le Milan AC ou j'en sais rien. Bande de voleurs, menteurs, arnaqueurs. Heureusement que nous, le Paris Saint-Germain, nous avons quand même une éthique sportive. Même si on se fait éliminer chaque année, même si, si tu veux, on est le Qatar Saint-Germain. Mais nous, on ne triche pas, hein? Vous allez me sortir des petites histoires en Ligue 1. Mais tu penses vraiment qu'on a besoin de tricher en Ligue 1? Hein? Quand tu regardes la VAR, tu regardes tous les positionnements, tout est carré. Il n'y a pas d'enjeu. Arrête de mentir. Alors que vous, le FC Barcelone, des pénaltys à gauche, des pénaltys à droite, même les tribunes, il y a des pénaltys. Même les supporters, ils peuvent venir jouer sur le terrain. Tellement vous êtes des tricheurs, menteurs, voleurs, arnaqueurs. Vous allez avoir ce que vous méritez. Le FC Barcelone doit avoir ce qu'il mérite. Mais attention, il n'y a pas que le FC Barcelone qui doit rendre des comptes. Il y a aussi le Real Madrid. Parce que tout ce qui se passe à Bernabéu, là, c'est pas normal. Les mecs, ils font des fautes de malade. Il n'y a rien. Qui se souvient de l'action absolument exceptionnelle du but du Paris Saint-Germain où la VAR est revenue 3 minutes avant pour chercher une faute et refuser le but du Paris Saint-Germain? On s'en souvient de ce vol absolument exceptionnel, hein? On s'en souvient, bande de voleurs. Voilà, regarde, les avions du Real Madrid qui me cherchent. Voilà, donc là, en Espagne, ça sent le roussi. Ah, voilà, ça sent le roussi, comment on peut dire? Ça sent le jamón, hein, comme ils aiment bien dire, le jambon en espagnol. Ça sent le chorizo, hein, ça sent tout, ça sent pourri. C'est du grand n'importe quoi, bande de tricheurs, voleurs, arnaqueurs. Vous êtes là, ouais, la Liga, blablabla. Vous pensez que Kylian Mbappé va venir dans cette aura de tricheurs, dans ce club historique qui n'a pas peur de tricher? Club historique, je ne sais pas combien de Ligue des Champions. Et puis vous vous permettez de tricher, voilà, pour asseoir je ne sais quoi. Et dans tous les cas, la justice, on sait que de tous les cas, vous n'allez rien avoir, hein, mais en tout cas, ça va faire fuir un petit peu d'investisseurs.